Bonjour. Très bien. Ce matin, je voudrais juste faire un petit direct pour répondre à un certain nombre de compatriotes africains du Togo qui réagissent sur des publications que j'ai faites, dans lesquelles je dis que la jeunesse togolaise doit agir et réagir vis-à-vis du pouvoir togolais. Parce que certains Africains du Togo sont venus dire, commenter les vidéos en disant qu'il faut que l'armée togolaise agissent et viennent au secours du peuple. Je voudrais dire aux compatriotes togolais qu'il n'y a rien à attendre de l'armée togolaise. Nous avons fait plusieurs vidéos dans lesquelles nous avons expliqué pourquoi l'armée togolaise n'interviendra pas, pourquoi l'armée togolaise est ce qu'elle est, et pourquoi cette armée n'est pas une armée patriote qui va sauver le peuple togolais. Et par conséquent, il va falloir au peuple togolais et à la jeunesse togolaise elle-même, au peuple togolais lui-même, de s'organiser pour agir et ainsi contraindre cette armée à déposer les armes en fin de compte et à laisser passer le peuple togolais. Parce que cette armée, pour le moment, elle n'a pas encore vu les Africains du Togo dans leur capacité optimal, hein, dans leur déploiement optimal. Voilà pourquoi cette armée, d'une certaine manière, continue de soutenir le régime criminel qu'il y a au Togo, quelque part. Donc, le message du MOLTRA, Mouvement pour la Libération Totale et la Reconstruction de l'Afrique, c'est de dire aux Africains du Togo que c'est à eux qu'appartient la décision. Il ne s'agit pas d'attendre une quelconque armée, parce que cette armée-là ne viendra jamais au secours de notre peuple. Cette armée ne viendra pas au secours de notre peuple parce qu'elle n'en a rien à cirer. Et ce n'est pas son problème. Et j'ai expliqué ça plusieurs fois dans plusieurs vidéos dans lesquelles j'ai expliqué ce qui est la nature de l'armée togolaise, pourquoi cette armée est dans une position de soutien au régime criminel du Togo. Tout simplement, c'est parce que cette armée, elle a en son sein une armée. C'est une armée qui est dans cette armée, qui dirige effectivement cette armée. Parce que le grand nombre de soldats togolais, de militaires togolais, de gendarmes togolais, de militaires notamment, c'est des civils habillés en treillis. Au sein de l'armée togolaise réside une véritable armée qui est un petit groupe, un petit noyau autour duquel tout s'organise en réalité. C'est ce noyau-là qui dirige l'armée togolaise. Voilà pourquoi l'armée togolaise n'est pas en capacité d'agir et de venir en aide à notre peuple. Donc il faudra absolument que les compatriotes africains du Togo comprennent que cette armée n'est pas une armée patriote, n'est pas une armée nationale, et qu'en son sein réside un petit noyau qui est armé, surarmé, protégé politiquement, équipé matériellement, et qui fait toutes les opérations pour que le régime togolais continue de vivre dans ce pays. C'est ce noyau-là qui fait toutes les décisions. Et je dis ceci en pensant au fait que s'il y avait une armée au Togo et que cette armée avait une préoccupation pour le pays, on l'aurait su depuis, mais ce n'est pas le cas. Et on a vu que le général Tidjani, chef d'état-major, a été arrêté, assassiné par le régime togolais. Il n'y a aucun soldat qui est sorti
pour protester contre l'assassinat de leur chef d'état-major, qui était par endroit ministre de la Défense du Togo, lorsque le régime s'est retrouvé en indélicatesse avec le général Tidjani. Tout simplement, ils l'ont arrêté, ils l'ont mis en prison, ils l'ont torturé. Et le général Tidjani était devenu malade. Quand ils ont vu qu'il allait mourir, ils l'ont libéré. Et le général Hassani Tidjani est parti se faire soigner à Paris, où il est mort, tout simplement. Ils n'ont même pas autorisé que son corps rentre au Togo pour y être enterré. Déjà avec cet exemple-là, on voit que l'armée togolaise n'est pas en capacité de faire quoi que ce soit. Donc quand le général Tidjani a été arrêté et tué, aucun soldat de cette armée ne s'est levé pour protester contre ça et réclamer justice. Ensuite, ça fait bientôt 15 ans que le demi-frère de Foy Nyasingbé, Kpatia Nyasingbé, ministre de la Défense, donc le chef de l'armée, s'est retrouvé en prison. Il n'y a aucun soldat qui s'est levé dans cette armée pour protester contre l'arrestation de leur ministre qui est Kpatia Nyasingbé. Kpatia est en prison, il n'y a aucun soldat qui a protesté contre ça. D'autres officiers supérieurs de l'armée ont été arrêtés, tués par ce régime. Aucun soldat ne s'est levé pour protester contre ça. Le chef d'escadron, Akila Essoboko, ministre de la Sécurité de l'époque, était obligé de fuir le pays. Il n'y a aucun soldat qui a protesté contre ça. Le commandant Olivier Ama a dénoncé le régime et a fui. Il n'y a aucun soldat qui a protesté contre ça. Bodjona, ancien numéro 2 du pouvoir, en réalité le numéro 1, c'est-à-dire le faiseur de roi. Ce monsieur a été arrêté. C'est quelqu'un qui est de la même région que les Nyasingbé, qui a des amis, des frères, des gens de sa famille qui sont dans l'armée, des amis très intimes qui sont dans l'armée. Quand Bodjona a été arrêté, jeté en prison, il n'y a aucun soldat qui s'est levé pour faire quelques protestations que ce soit contre cette arrestation. Donc, nous voyons au travers de ces exemples-là que l'armée togolaise, en réalité, est constituée majoritairement des civils désarmés, mais habillés en kaki. Et au sein de cette armée réside une véritable armée. Voilà pourquoi l'armée togolaise ne fera jamais quelque chose pour le peuple togolais. Parce qu'au sein de cette armée réside un noyau dur qui fait tous les travaux les plus sales pour maintenir ce régime en place. Donc, c'est une erreur fondamentale que de solliciter cette armée, de faire appel à cette armée, parce que cette armée ne viendra jamais au secours du peuple togolais. Parce qu'en réalité, cette armée elle n'a pas les moyens. On a désarmé tout ça. On a fait peur à ces gens et ces gens savent très bien qu'en leur sein réside une véritable armée et que c'est ce noyau-là qui a le pouvoir, qui fait toutes les opérations les plus sales pour maintenir ce régime au pouvoir. Donc, c'est des gens qui sont pris en otage quelque part, qui sont désarmés et qui sont pris en otage. Ceux qu'on mobilise pour réprimer les manifestations et l'opposition dans ce pays, c'est ce petit noyau. C'est ce petit noyau, justement, qui est armé, qui est pourvu de tous les moyens et de tous les pouvoirs pour réprimer le peuple togolais. Donc, il ne faut pas solliciter cette armée-là pour nous venir en aide. Ce que nous devons faire, en tant que peuple, et nous l'avons toujours expliqué, le Moltra Mouvement pour la Libération Totale et la Reconstitution de l'Afrique l'a toujours dit, notre travail consiste à nous organiser, à nous renforcer pour pouvoir faire face à tout ceci. Si nous faisons face à cette armée-là, nous allons pouvoir la vaincre parce qu'en réalité, il s'agit d'un petit noyau. Et ces gens, pour le moment, n'ont pas encore confronté le peuple de manière organisée, de manière déterminée, de manière décidée. Et dans ces conditions-là, lorsque le peuple aura rempli ces conditions-là, cette armée cédera et ne peut pas réprimer éternellement l'envie et la soif de liberté et de justice de notre peuple. Donc, la solution,
ce n'est pas appeler cette armée à nous venir en aide. Des gens disent, ah, c'est l'armée togolaise qui va nous sauver. Nous appelons l'armée à intervenir. Nous appelons l'armée à nous venir en aide. Nous appelons l'armée togolaise à l'action. L'armée togolaise n'existe pas en réalité. Ce qui existe, c'est un corps habillé, mais désarmé. Et au sein de ce corps-là résident effectivement des gens qui sont pourvus de tous les moyens pour faire les sales besognes au profit du régime pour le maintenir. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre fondamentalement. Donc, je remercie les compatriotes du Togo qui sont venus faire ces commentaires-là sur les publications que nous avons faites récemment en interpellant la jeunesse togolaise, en l'appelant à l'action. Mais ce n'est pas si nous attendons cette armée-là, nous allons attendre là où il n'y a rien à attendre. Et puis, nous allons nous perdre du temps. Nous n'allons jamais avoir une quelconque solution pour le problème togolais. Donc, nous devons sortir de toute espérance, de toute attente d'une action de l'armée, ce qui est un peu une variante de l'attente et de l'espérance qu'on fonde à un Dieu qui va venir nous sauver une fois. D'une manière générale, le peuple africain attend qu'un Dieu vienne le sauver. Donc, c'est une des variantes de cette espérance-là. En attendant l'armée togolaise, on est en train de démontrer que nous sommes sur, encore une fois, la voie d'une attente d'un sauveur externe et extérieur, d'un Deus ex machina qui va venir nous sauver, qui serait l'armée togolaise. Non, l'armée togolaise n'interviendra pas et ne va pas sauver le peuple togolais parce que, encore une fois, au sein de cette armée, le pouvoir franco-nyasingbé a créé un petit noyau d'hommes armés, une sorte de milice au sein de cette armée. C'est elle qui fait le boulot et c'est elle qui a le pouvoir. Et c'est elle qui est armée. Tous les autres sont désarmés. Ils ne sont rien, ce sont des soldats que nous voyons qui nous font peur. Mais en réalité, ces gens n'ont aucun pouvoir, n'ont aucun armement et aucun pouvoir de décision et ne peuvent pas se lever, n'ont aucune organisation. C'est des gens qui ont peur. Parce que même au sein de cette armée, récemment, le pouvoir togolais s'est permis de faire égorger le colonel Majulba. Ils sont allés au camp militaire, devant tout le monde, ils sont partis égorger le colonel Majulba, dont le corps n'a pas encore été restitué à la famille. Ça fait environ 2 ans que cette histoire a eu lieu. Le corps est toujours gardé, on ne sait pas où. Et le corps n'a pas été rendu à la famille jusqu'à présent. Ce crime a eu lieu au camp militaire même, devant les militaires. J'imagine que le colonel Majulba, il a des gens à sa disposition, il a des gens sous son commandement. Tous ceux que je viens de citer, les officiers supérieurs de l'armée togolaise qui ont fait défection ou bien qui ont été arrêtés abusivement, qui ont été placés en prison, certains parmi eux ont été assassinés. Depuis le chef d'état-major qui a été ministre de la Défense, le général Tidjani, en passant par le commandant Olivier Ama, l'officier supérieur François Akila et Soboko, et tous les officiers qui sont aujourd'hui en prison dans cette histoire de tentative de coup d'État, dans laquelle on a arrêté Pacha Nyasingbe qui croupit en prison depuis bientôt 15 ans. Mais tous ces gens-là sont en prison. On n'a pas vu l'armée tirer un seul coup de feu d'artifice, hein, ce qu'on appelle chez nous des bandits. Il n'y a aucun tir, ne serait-ce qu'en l'air, pour protester contre l'arrestation de tous ces officiers supérieurs. Donc la solution au Togo ne viendra pas de l'armée. La solution ne viendra pas de l'armée. La solution viendra du peuple togolais lui-même, dans sa capacité à s'organiser, dans sa décision à assumer ses responsabilités et à les assumer pleinement, en faisant un travail d'organisation sérieux et en laissant de côté la peur et tout ce qui, jusqu'ici, l'a empêché d'agir de manière décisive. C'est ça le problème. C'est-à-dire que nous savons très bien que c'est le petit noyau qui est créé au sein de cette armée qui fait le sale boulot pour maintenir le pouvoir franco-nyasingbé va toujours continuer à réprimer, va essayer d'étouffer le peuple togolais, va essayer de porter atteinte à toutes nos volontés exprimé de nous débarrasser de ce régime. Mais lorsque le peuple togolais aura atteint sa capacité optimale d'organisation, de structuration, en laissant de côté toutes les divisions de manière résolue
et en laissant de côté la peur, en se débarrassant de la peur pour affronter véritablement son destin, eh bien, ça passera. Et ce pouvoir tombera parce que ce petit noyau ne peut pas être en position de force de manière éternelle. C'est parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas bâti le rapport de force de manière structurée, organisée, décidée, sous la conduite d'un leadership courageux, patriote, que la situation est comme ça jusqu'ici. Donc, nous avons un travail à faire. Faisons-le. N'attendons pas l'armée togolaise, parce que si nous attendons l'armée togolaise pour venir nous sauver, nous allons rester sous ce régime encore pour longtemps. Donc, j'avais fait des vidéos, plusieurs vidéos que vous pouvez trouver sur la page YouTube du Mortra, dans lesquelles j'ai expliqué ce qu'est l'armée togolaise et pourquoi cette armée ne fait pas peur au régime franco-nyasimbé qui régente le Togo depuis 1963. Ça fait 60 ans que ce régime existe. Et nous, Togolais, nous laissons ce régime en place. Nous avons payé un prix, oui, parce qu'il y a certains de nos compatriotes qui sont morts dans cette histoire. Justement, c'est parce que nous avons commencé à payer le prix de notre libération et de notre liberté que nous devons continuer et conclure ce combat, nous débarrasser de ce régime france-africain, franco-nyasimbé, qui a créé au sein de l'armée un petit groupe, une milice, qui véritablement fait le boulot et qui le maintient. Donc ce n'est pas l'armée. Donc si nous attendons que l'armée togolaise intervienne pour nous sauver, c'est mal calculé et c'est mal jugé la situation. Et par conséquent, c'est au peuple togolais, à la jeunesse togolaise elle-même, de se débarrasser de la peur, de sa désorganisation, de son indifférence, de tous les problèmes qui minent notre peuple pour passer au stade de l'organisation patriotique, de manière patriote, et ainsi construire un véritable mouvement de libération de notre pays, hein, qui nous a échappé jusqu'ici, et par conséquent entamer la reconstruction de ce pays, dans l'intérêt bien compris de tous ses enfants, de toutes ses filles et fils. Voilà. Donc, il ne faut pas que les Togolais attendent l'armée togolaise, parce que cette armée, elle a en son sein une véritable armée qui fait la décision. J'invite encore une fois mes compatriotes togolaises et togolais à ne rien attendre d'une armée qui elle-même est prise en otage par un petit noyau qui est en son sein, qui est formé par la France notamment, parce que c'est la France qui anime tout ça. Nous savons très bien les coopérants militaires français qui forment l'armée togolaise à tuer le peuple togolais. Ces gens sont encore là, c'est eux qui opèrent. Les Israéliens sont venus s'ajouter à eux. Donc, les Israéliens et les Français se sont joints pour former ce petit noyau au sein de l'armée togolaise qui fait véritablement la décision. Donc, si on attend l'armée togolaise pour venir sauver le peuple togolais, nous n'aurons jamais la solution. Voyez, c'est notre organisation, notre capacité à nous responsabiliser, à nous débarrasser de la peur, à ne plus avoir peur de mourir, parce que c'est notre combat qui va libérer notre pays. Et si cette libération doit passer par des sacrifices, eh bien nous devons ce sacrifice-là, parce que c'est ça l'histoire. Tous les peuples ont payé le prix de leur liberté, et il n'y a pas de raccourci. Le peuple noir ne va pas contourner les règles de l'histoire pour se libérer, se reconstruire. Nous devons payer le prix de notre liberté. Et quand le moment sera venu, nous allons tous affronter ce système. Pour le moment, nous n'avons pas atteint l'organisation optimale. Voilà pourquoi nous sommes dans l'incapacité d'agir. Et ceux qui, dans la diaspora, travaillent au quotidien pour penser, théoriser des solutions, mobiliser des moyens, parler, conscientiser, nous n'arrivons pas à agir en bonne entente, en bonne intelligence avec les compatriotes qui sont restés sur le terrain et qui payent le prix quotidiennement de leur volonté de s'extirper et d'extirper nos pays de ces régimes coloniaux qui nous embrigadent. Donc, il y a un travail à faire, faisons-le, travaillons sur notre organisation, étudions les pouvoir france-africain coloniaux qu'on nous a imposés, étudions leurs forces et leurs faiblesses, étudions nos propres faiblesses et nos forces aussi, travaillons à corriger nos faiblesses, et puis armons-nous progressivement de connaissances, hein,
des tactiques pour progressivement construire ce mouvement populaire que nous appelons de tous nos voeux, qui va survenir, et passons à l'action. Parce que il n'y a que ça qui va sauver l'Afrique. Rien d'autre. L'attente d'une action de l'armée togolaise n'apportera rien du tout parce que cette armée n'a pas les capacités de le faire. Car au sein de cette armée, il y a un petit noyau qui est créé et c'est ce noyau-là qui a le pouvoir, qui fait la décision. Et comme cela ne sert à rien d'attendre un dieu qui va venir nous sauver, nous devons absolument faire nous-mêmes le job et limiter ainsi les dégâts, ce qui nous permettra d'entamer la reconstruction, tout simplement, de nos pays. Donc c'est à nous de faire le travail. Merci chers compatriotes, merci encore une fois pour votre présence, merci d'aimer la vidéo, merci d'aider à connaître le MOLTRA, Mouvement pour la Libération Totale et la Reconstruction de l'Afrique. Nous avons fait beaucoup de productions écrites, audio, vidéo, etc. que vous pouvez trouver sur l'ensemble de nos pages, notamment sur la chaîne YouTube du MOLTRA et aussi sur la page Facebook du MOLTRA, ainsi de suite. Et nous avons aussi un site internet, moltra.org. Vous pouvez également trouver nos publications là-dessus. Donc, continuons à réfléchir, à travailler sur notre organisation. Merci beaucoup. À très bientôt.